C'est nous qui devons nous adapter aussi au contexte parce qu'on ne peut pas changer le contexte. Nous sommes créateurs de nos vies, créateurs de nos réalités, mais nous le sommes tous donc on ne peut pas imposer et. Euh, ça, ce n'est pas possible, autant j'aime, je n'aime pas ce terme d'impossibilité, mais autant, ben, voilà, on, on doit arriver à co-créer avec les réalités de chacun, essayer de trouver des, des ponts, de créer des ponts qui nous relient tous afin de co-créer tous ensemble. Et si ça ne nous plaît pas, on peut partir, on peut vous avez le droit de choisir ce que vous voulez vivre donc vous avez le choix de, de dire non à certaines choses vous, allez, vous avez le droit de, de vous en aller voilà vous avez le droit de vous blottir dans votre grotte vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire de dire ce qui vous traverse et voilà tout en, en respectant les individualités de chacun mais en s'affirmant en osant être sans reconnaissance sa valeur et c'est une d'une grande richesse que de faire ça parce que même si ça crée quelques résistances, même si ça crée quelques réactions euh, assez confrontante chez l'autre et donc on se le prend en pleine figure on le ressent et donc euh, c'est pas agréable mais ça inspire et peut-être que l'autre personne il lui faudra un peu de temps pour comprendre ce qui se passe, pour faire face à ce miroir aussi, que cette personne n'arrive pas, peut-être, c'est une, une éventualité, de, de reconnaître cela en elle, qu'elle n'arrive pas à poser des limites, à être qui elle est, à être honnête, intègre, et transparent, vis-à-vis d'elle-même déjà, pour pouvoir l'être avec l'autre. Et donc, en l'étant soi-même, nous permettons, l'autre de faire de même et si il n'a pas envie, si cette autre personne n'a pas envie d'effectuer ce, ce chemin-là, alors vous avez le choix de partir ou pas, de la laisser sur son chemin et vous de continuer le vôtre. Donc, ça demande à chaque instant d'être souverain, d'être intègre avec soi, de reconnaître vraiment les valeurs qui nous importent. De les suivre, de faire des choix en résonnant son accord avec ça, et de rester fidèle à soi-même d'abord, et de ne pas se soustraire à soi-même.